qu'il y a différentes façons d'aborder le problème du changement climatique à travers le jeu, à travers la pédagogie. On va planter des petites graines. La forêt est entre de bonnes mains. Nous, forestiers, quand on agit aujourd'hui, c'est pour dans 50, 100, 150 ans. Il y a certains arbres qui vont utiliser l'eau pour disséminer les graines. Viens me voir. Il va falloir souffler, faire la course. Et le premier qui arrive ici a gagné. Allez, allez, oh, ouais, ouais, ouais. Cette rencontre avec la forêt a fait nous rendre compte que la nature était aussi une source d'émotions considérables, comme l'art est une source d'émotions considérables. En faisant cette forêt, je me suis dit je vais mélanger toutes les variétés de plantes, parce que j'avais peur de ce réchauffement climatique aussi. Une forêt, c'est la folie, parce que non seulement il y a cette profusion des arbres, etc., mais profusion d'interactions, profusion de mélanges, de choses qui s'hybrident. Donc là, c'est un atelier pour réaliser un attrape-rêve et se réveiller un peu de nos cauchemars. Le futur n'est pas dessiné encore. On a besoin d'agir très vite. On peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Au lieu d'utiliser l'électricité, avec le bois, on peut faire avancer les bateaux. Faut aller en forêt et prenez le temps de bien observer ce qui vous entoure.